Cette année, on a fait une classe artistique à Paris pour visiter de plus près les sculptures de Takis et d'autres sculpteurs comme Picasso, Calder, Niki de Saint-Phalle, des sculpteurs comme ça. Et puis, on a été voir aussi Takis a imaginé le château d'eau. Cette année, notre classe est allée. Tu vois Non. Oui. Tu vois pas? Non. C'est noir. Comment? C'est pour moi ça. Oui, c'est rien. C'est pour moi qui l'a fait. On a été voir aussi les architectes de Takis. Et puis ils nous ont parlé de Takis, comment s'il avait fait beaucoup d'autres sculptures comme celle-ci. Vous n'avez pas peur qu'un jour la sculpture se casse un petit peu? Toutes les choses sont périssables et la corrosion, ça concerne toutes les choses et même tout le monde. Et elle s'attaquera forcément à cette sculpture, mais comme à tout ce qui existe, tout ce qui est fabriqué. Mais nous avons fait en sorte qu'elle s'use le moins rapidement possible. Et qu'elle soit réparable, qu'on puisse l'entretenir, la repeindre, changer les pièces. Savez-vous qui est Takis? Un sculpteur de la musique. Quand il est dans un champ magnétique, tout devient magique. Mais qui est vraiment Takis? Un sculpteur plein d'idées. C'est un homme qui aime voyager. Non, non.